السلام عليكم شير اتيديان اتيديان تو مش حالكم ياك لاباس ياك الخير ياك معافي بون اجوردي ان شاء الله اون فا فير لي كوريكسيون دي زيكزارسيس اون فا كومونسي بار ليكزارسيس نيميرو 3 دو لا سيري دي ستاتستيك ايفيدامون سيري ال 3 بليتو اس 3 مالا حاجة لاهي نعدلو ريفيزيون هذا لا ريفيزيون هذا للناس اللي نزلت عندي ستاتستيك اوكي وتشوف commençons par l'exercice numéro 3. Qu'est-ce qu'ils disent? Cet exercice c'est très facile et aussi dans cet exercice on va réviser beaucoup de choses. C'est pour cela que j'ai choisi plutôt cet exercice. Donc on jette 2 dés équilibrés numérotés de 1 à 6. Équilibré veut dire non triqué, pas de problème. Ok, très bien. On considère les événements suivants. A somme de deux points amène et au moins égale à quoi? Égale à 5. Très bien. Aucune des deux faces, c'est-à-dire 2D, amène ne montre le numéro 1. Ok. Calculer P de A, P de B, P de A inter B, A igno B, A inter B bar, A bar inter B. Très bien. Donc, on va nommer les événements. Voici événement A. L'événement A, c'est quoi? L'événement A, c'est trouver un chiffre au moins, veut dire au moins, si on dit al aqal, c'est supérieur ou égal à ce chiffre-là. Al aqal égal à 5. Ça veut dire quoi? Supérieur ou égal à 5. Très bien. Donc, A, l'événement A, trouver un X supérieur ou égal à 5. B, trouver des chiffres, mais ne contient pas le numéro 1. Ok, on va compter. Mais si, par exemple, l'un des dés apparaît, l'un de ces faces apparaît, par exemple, le numéro 1 apparaît dedans, on l'enlève. Très bien. Donc maintenant, on va faire ce tableau-là pour faciliter les choses. Hein? J'ai déjà traité ça, le tableau. C'est très facile. Voici le schéma de tableau. On met ici D1 et D2. Ça, c'est 1. Ça, c'est-à-dire les numéros de D1. Et les DD plutôt. Ça, ce sont les numéros de DD, D1. N'est-ce pas? Maintenant, on va faire les G. On va les jeter. Si on jette les DD, soit on obtient 1, 1. OK. Ou on obtient 2, 1. Ou 3, 1, etc. Donc, à chaque fois, on fait la somme dans l'intersection de deux chiffres. On fait la somme. Très bien. Je vous 1, 1, j'ai mis 1, 1, c'est 2. 2, 1, j'ai mis 1, c'est-à-dire 2, 1, c'est quoi? C'est 3. J'ai mis même chose pour tous les éléments, pour tous les numéros. Très bien. Maintenant, la première chose qu'on doit faire pour calculer les probabilités, on doit savoir les cardinaux de chaque événement. D'abord, on va chercher le cardinal d'oméga. Le cardinal oméga, c'est quoi? C'est l'ensemble des résultats possibles. Ok? L'ensemble des résultats possibles, ce sont les chiffres qui sont à l'intérieur du tableau. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 6, c'est 36. C'est pour cela, oméga égale à 36. Par définition, par exemple, les mêmes expériences se répètent n fois. Oméga égale à quoi? Égale oméga à l'absence n. D'un arvo kemi. Très bien. Maintenant, commençons. Commençons tout simplement. Commençons. Ici, on a quoi? On va faire ça. On va faire P de A. P de A égale cardinal de A, c'est cardinal oméga. N'oublie pas que P de A, ou bien A, c'est trouver un chiffre supérieur ou égal à 5. Supérieur ou égal à 5. Et supérieur ou égal à 5, c'est-à-dire supérieur à 4, supérieur à 3, supérieur à D. Donc, on va laisser tous les chiffres qui sont inférieurs à 5. Donc, on abandonne tous les chiffres inférieurs à 5. Ok, donc 4 inférieur à 5, 3 inférieur à 5, 2 inférieur à 5, 3 inférieur à 5, 4 inférieur, 4 inférieur. Donc, veut dire quoi? Veut dire que
P de A, la cardinale plutôt de A, va commencer à partir de 5, 5, 5, 5, jusqu'à la fin. Très bien. Donc, c'est la somme de tous ces éléments moins ces 6 éléments-là. Moins les 6. Très bien. Donc, veut dire que cardinale de A égale à quoi? Égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. N'est-ce pas? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Donc, cardinal de A égale 30 sur cardinal oméga qui est 36. Donc, c'est ça, P de A. Maintenant, P de B égale cardinal. Égale cardinal de B sur cardinal oméga. OK. Cardinal de B égale à combien? Cardinal de B, c'est tous les chiffres qui ne contiennent pas 1. Donc, 1, 1, 1, c'est il y a 1. C'est-à-dire, ça appartient pas. 1, 2, il y a 1. Même chose pour celui-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que B, tous ces éléments éliminés de ça. Donc, on va éliminer cette partie. Donc, et B, le cardinal de B, ce sont des éléments qui se trouvent ici parce qu'il n'y a pas de 1 dedans. Regarde, ici, l'intersection, c'est quoi? C'est D, D. Il n'y a pas de 1. OK? Très bien. Maintenant, une fois que nous avons vu le nombre possible de B, c'est combien? Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 5, c'est 25. Ça veut dire que cardinal de B égale à 25 sur cardinal de B oméga égale à 36. Donc c'est ça le P de B. Très bien. Maintenant, on va faire P de A entre B. P de A entre B. Alguien a dit que P de A entre B est égal P de A fois P de B. Non. P de A entre B égale cardinal de A entre B sur cardinal de oméga. Très bien. Donc, et aussi. Maintenant, peut-être le sens réel de l'intersection. Que veut dire inter? Intersection, ça veut dire la réalisation simultanément de deux choses. Voilà, des éléments en même temps. OK. Ça, par exemple, la réalisation de A et B en même temps. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on va trouver, il faut qu'on trouve un chiffre supérieur ou égal à 5 en même temps qui ne contient pas 1. Regarde. Ici, par exemple, ici. Ici, il y a 5. Ici, n'est-ce pas, il y a 5. Il y a A. Mais le problème, c'est quoi? C'est que il y a 1. Donc, c'est ça notre problème. Marouada. Donc, même chose pour tous ces éléments. Donc, on va enlever ceci. On va enlever ceci. Parce que l'intersection, c'est ça. Très bien. Donc, en même temps, ne contient pas 1. Donc, on va pas toucher le 5 là, ni celui-là. Pourquoi? Parce qu'il y a 1. Ni celui-là, il y a 1. On va pas toucher celui-là. Pourquoi? Parce qu'il y a 1. Ni celui-là, ni celui-là, ni celui-là. Et ces éléments. OK. Donc, dans ces cas, l'intersection, c'est quoi? L'intersection de A et B égale à quoi? Égal, c'est 4, c'est inférieur à 5, n'appartient pas. Égal à combien? Égal à. On va commencer à partir de ici. Il n'y a pas de 1 et égal à 5. Donc 5, on va commencer 1, 2, 3, 4. N'est-ce pas? Ça c'est 4. Ici c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 1, 2, 3, 4. 5 fois 4, c'est 20. Donc 20 plus 4, c'est 24. Donc, égal à 24 sur 36. C'est ça, P de A inter. C'est ça, P de A inter. B égal à 24 sur 36. Très bien. Nous avons trouvé P de A. Qu'est-ce que ça veut dire, l'intersection? On va répéter tout simplement. J'ai dit que la répétition, plutôt, l'intersection, c'est la réalisation simultanément des deux éléments. Donc, si A et B
s'intersectent, ça veut dire que A et B se réalisent simultanément. Mindrakanum ykhlqu fi bled, c'est-à-dire on trouve un chiffre supérieur ou égal à 5 en même temps qui ne contient pas 1. Hein? Donc on va éliminer tous ces éléments et tous ces éléments. Pourquoi? Parce qu'il y a 1. Y'a'malhum fi supérieur ou égal à 5, mais la deuxième condition c'est qu'il contient 1, c'est ça le problème. Donc celui-là c'est inférieur déjà à 5, n'appartient pas. Donc on va éliminer tous ces éléments qui se trouvent ici. Donc nous avons compté, hein, cardinal A inter B, nous avons trouvé ça égal à combien? Égal à 24 sur 36. Maintenant, P de A union B, c'est une formule. P de A plus P de B plus P de B moins P de A inter B. N'est-ce pas? Donc P de A raï, P de B raï, P de A inter B, ces chiffres-là. Très bien. Maintenant, A inter B bar. A inter B bar. A c'est quoi? A, on va chercher un chiffre, P de A, P de A inter B bar égal à quoi? Égal à cardinal A inter B bar, n'est-ce pas, divisé par cardinal d'oméga. Hag. Donc A inter B bar égal à quoi? Très bien. A inter B bar, c'est quoi? A inter B bar, ça veut dire qu'on va chercher un chiffre supérieur ou égal à 5. Un chiffre supérieur ou égal à 5. Mais en même temps, ce chiffre-là qui est supérieur ou égal à 5, en même temps, il doit contenir le numéro 1. Ok? Il doit être supérieur à 5. Numéro 1. Donc c'est ça. Donc il y a 1 ici. Donc 5 appartient. Pourquoi? Il y a 1 en même temps supérieur ou égal à 5. Même chose. 6, il y a 1 en même temps égal à 5. Donc celui-là, même temps. Donc ceci. Donc on va compter. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 éléments. Donc le nombre, c'est 6. Il y a numéro 1 en même temps supérieur ou égal à 5. C'est ça l'intersection. Ok? C'est-à-dire les numéros 1 apparaissent et en même temps le chiffre doit être supérieur ou égal à 5. Donc c'est combien? C'est 6, plutôt 3, plus 3, c'est 6. Donc cardinal d'oméga, plutôt de A inter B, égale 6 sur 36. Très bien. Donc maintenant, P de A.